auditeurs libres et citoyens du monde, écoutez ces messages qui vibrent sur les ondes. En ce mois d'octobre 2027, il est temps de célébrer la sortie du numéro 20 de l'objet qui nous fait tant rêver. C'est le 20e d'une série qui change à l'ère planétaire, car Saint Jobs, on chérit, il fut la réponse au mystère. Il a réussi à faire de nous ses disciples involontaires, et quand il a disparu, je voulais que moi aussi on m'enterre. La concurrence était carbonisée, le peuple a canonisé. Je me souviens de ces millions de personnes sur les Champs-Élysées, tous reliés en wifi pour une prière en haut débit. À ce moment-là, on ne savait pas que ce n'était que le début. Chaque année, l'innovation ne prenait pas de répit, même si ceux qui n'avaient pas les moyens devenaient des rebuts. C'est quand ils ont sorti la puce cérébrale que j'ai compris, ce type c'était Dieu, et nous l'avions perdu. Aujourd'hui j'ai donc décidé de rentrer dans les ordres. Si je croise un androïde, j'ai pour mission de le mordre. Moi aussi je veux croquer un bout de cette pomme, pour que se révèlent à moi les connaissances de cet homme qui nous a légué un héritage tellement immense. Désormais on peut penser sans que l'on y pense. Mon téléphone a sonné, ça m'a réveillé. La breaking news est tombée, encore la tête sur l'oreiller. Le cauchemar devient réalité. Parfois ça arrive, au revoir à jamais, quand même merci Monsieur Steve.